Mesdames, bonjour messieurs, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire avec Dias TV pour Rencontre avec l'artiste. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de rencontrer le talentueux styliste franco-camerounais Imane Aïssi. Bonjour Imane, merci de nous recevoir. Bonjour Stéphanie. Alors dites-moi Imane, quel est votre regard sur la mode africaine aujourd'hui et pensez-vous qu'elle occupe la place qui lui revient au niveau mondial? La mode africaine, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué parce que on va dire qu'au niveau mondial, normalement, elle devrait trouver sa place. Hein. Mais bon, c'est aux acteurs de ce domaine, les designers, je veux dire, les designers africains, de faire certaines démarches pour pouvoir se retrouver dans les bons endroits. Donc, dans les fashion shows internationaux, dans les salons internationaux. Y compris tous les rendez-vous de travail quoi. Aussi je trouve que ce qui manque un peu en Afrique c'est l'organisation parce qu'avant d'aller proposer son produit à l'étranger il faut d'abord que par exemple au Cameroun, je vais parler du Cameroun, il faut d'abord que les choses soient bien mises en place au Cameroun, qu'il y ait des bonnes structures et que les designers soient bien installés, tout ça, et que les Camerounais consomment aussi. Parce que le vrai problème est là. On doit d'abord consommer nos artistes avant qu'on veuille s'exporter à l'international. Il n'y a peut-être pas suffisamment de visibilité, comme vous le dites, au niveau national au Cameroun. On prend l'exemple du Cameroun comme dans d'autres pays africains. Mm-hmm. Il n'y a peut-être pas suffisamment de visibilité sur le travail des designers africains mm-hmm. pour qu'ils soient suffisamment consommés. Mm-hmm. Ouais, je veux dire oui, mais bon, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Donc, oui, je reconnais que oui, la visibilité, c'est aussi, y compris la communication, on va dire, et tout ce qui est presse. Le problème de la presse mode en Afrique aussi, c'est un grand souci, hein, parce que très souvent, on va voir les quelques journalistes qui traitent la mode en Afrique. C'est souvent, très souvent, ce n'est pas les gens qui ont fait l'école de journalisme pour mode, pour le fashion. C'est souvent les gens qui s'aventurent un peu. Tu vois, on va voir, par exemple, les mêmes font les critiques sur la politique, les critiques sur l'art, les critiques sur la mode. Et donc, c'est un peu, je ne sais pas quoi dire, mais bon, tu vois, il devrait avoir des vrais spécialistes mode. Oui. Et quoi, qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique, il y a tellement de choses à faire, mais bon, il faut que les gens commencent à penser, à s'y mettre aussi. Il y a des magazines qui sont pas mal, donc il devrait y avoir des gens qui font les formations pour traiter vraiment la mode, le sujet mode. Et à partir de là aussi, on va faire des critiques quand il y a des rendez-vous des shows, comme il y a pas mal de festivals, des fashion shows qui se passent dans tous les pays maintenant. Donc il faut faire des critiques normales. Quoi, pour éduquer comme... un petit peu le public africain à la mode et à la haute couture. Exactement, avec toutes les informations qui vont avec, et aussi savoir dire aussi quand c'est bien et quand c'est pas bien, quand c'est, tu vois, il y a tout un tas de trucs. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la mode comme grand vecteur d'expression aujourd'hui, puisque vous pouvez tout faire? Comme on l'a dit au départ, vous êtes danseur, mm-hmm. vous êtes mannequin, vous êtes écrivain, et j'ai vu quelque part que vous avez fait un petit peu de théâtre. Pourquoi la mode? La mode, ça m'a toujours attiré. J'ai commencé par être mannequin. J'ai fait 12 ans de mannequinat, et après... Quand j'ai vécu encore au Cameroun, je faisais de la couture, mais je ne montrais pas trop. J'ai fait de la couture pour ma mère, pour mes sœurs, quelques artistes aussi, mais j'étais un peu plutôt sur un autre monde, le monde des danseurs. Et j'étais mannequin aussi en amateur en Afrique. Donc quand je suis venu m'installer en Europe, à Paris, donc j'ai voulu voir les choses un peu autrement, approfondir les choses. Donc, après les 12 ans de mannequinat, je m'étais dit, puisqu'ils savaient faire certaines choses, il fallait que je m'y mette pour la couture. Et aussi, on ne peut pas être mannequin éternellement. Donc, il fallait que je passe à un moment donné, il fallait passer de l'autre côté du rideau. Et vous avez choisi donc de créer les robes. Les robes, exactement, les collections. Les autres, d'être habillés. Comment définissez-vous aujourd'hui, vous définissez votre travail au niveau de la haute couture en général et de la mode africaine en particulier?
Déjà, quand on dit la mode africaine, c'est quoi la mode africaine? Pour moi, la mode, c'est universel, comme la culture, ça n'a pas de frontières. On définit les designers à partir du moment qu'on veut parler de leur identité, d'où ils viennent, leur pays. Mais un designer égale un designer, pour moi. Donc, si on dit la mode africaine, c'est aussi une manière de nous mettre déjà nous-mêmes dans les cases. Parce que aussi quand on dit la mode africaine, c'est souvent un peu la mode qui est un peu genre club made façon en façon, tu vois. Donc pas très très bien vu. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Alors quand je vous dis la mode africaine aujourd'hui, c'est peut-être pour parler des designers africains et des tissus africains. Parce qu'il y a une nouvelle vague de vêtements africains. Comment vous définissez-vous dans cet univers-là? Moi, je me définis en tant qu'un designer du monde. Je travaille à Paris, je voyage beaucoup, donc je côtoie toutes les femmes, tout genre d'hommes aussi. Donc, je suis ouvert à tout. Je ne peux pas seulement dire que je suis designer camerounais, africain, mais non, puisque j'ai habillé les japonaises, j'ai habillé les chinoises, j'ai habillé les américaines, les françaises. Les Belges, les Suisses, les Africaines. Donc je crois que c'est ça qui nous enrichit aussi. Parce que si on s'enferme en nous-mêmes, on n'a pas de chance pour évoluer vers le monde. Et là, on risque de passer vraiment à côté de quelque chose. Et cette mode africaine, j'ai rebondi sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, sur le changement par rapport à ce qu'on a vu depuis des décennies. Donc, par exemple, quand on voit certaines silhouettes, le fameux bustier, la fameuse jupe poisson, c'est un peu. Je crois que c'est un peu. C'est un peu dur à voir ça. Je crois que l'Afrique, la mode africaine mérite mieux. Il y a tellement de choses. La femme africaine mérite mieux que ce fameux bustier, ce fameux jupe poisson. Déjà, le bustier, est-ce que le bustier c'est africain? Je ne pense pas, le bustier c'est européen. Hein, les bustiers, tout ce qui est bustier, ça revient de l'époque des reines, les reines d'Europe, hein. Marie-Antoinette et Catherine de Médicis. Ouais. Donc, que ça se retrouve en Afrique, tu vois, on peut se poser des questions. Mais bon, où sont passées les vraies formes africaines? Donc, c'est à nous les designers de réveiller ça, de faire des recherches, de fouiller, de mettre vraiment la femme noire, la femme africaine, les idées d'Afrique, la richesse africaine, de les montrer au niveau international. Et aussi, mettre en avant les tissus aussi, tout en respectant les codes internationaux de la mode internationale, la couture, la haute couture. Donc, vous avez toujours été un très grand défenseur de l'ethnie. Je voulais savoir si aujourd'hui vous prévoyez dans votre prochaine collection d'être un petit peu plus ouvert dans le monde, voir une mixité entre le style Imana ici et l'Europe, l'Asie, comme vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez un projet de nous amener avec votre monde vers ce monde-là? Je le fais déjà depuis 2-3 saisons. Parce que dans mes lignes, je suis en train de travailler le style, mon style Imana Issé, parce que chaque designer doit avoir son propre style, son univers. Donc, à partir du moment que le style, on ne le trouve pas en 2 jours, c'est beaucoup de temps pour trouver son propre style. Donc, mon style, je l'ai déjà. Et là, j'ai décidé depuis quelques saisons de mettre en avant les vrais tissus africains, tout ce qui est des teintes à la main, des tissages à la main, comme le bogolan par exemple, comme le kita, comme mon mari est capable du Cameroun, tout un tas de tissus qu'on ignore, qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que quand on parle de tissus africains, on nous parle toujours des fameux imprimés wax et consorts, qui n'est pas africain. Moi, je tiens toujours à le dire. Je ne suis pas contre, mais bon, il faut mettre les points sur les i, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais les vrais tissus africains en elles-mêmes, on connaît très peu. Donc depuis quelques saisons, j'avais décidé de mettre ça en avant, les vrais tissus africains. Et je veux continuer tant que je peux, de temps en temps, de montrer ça, de montrer aussi que ces tissus-là méritent de faire de très jolis tailleurs, de très jolies vestes,
une belle robe du jour, une belle robe de cocktail, une jolie jupe crayon. Il faut proposer les choses, il faut faire des recherches et puis voir comment on peut proposer les choses à l'échelle. À l'échelle, il pourrait dire, à l'échelle mondiale, même pour le luxe aussi. Donc c'est vers cette orientation qu'on va retrouver Imana ici dans les prochaines collections, dans les prochaines années, dans la haute couture à venir. C'est la direction que vous donnez à votre marque aujourd'hui? Oui, entre deux, oui. Oui, pour promouvoir ce savoir-faire des artisans africains. Je ne vais pas faire toutes les collections entières, mais bon, depuis 3 saisons, je les mets déjà, les mélanges avec d'autres tissus, comme de la soie française ou la soie belge ou la soie chine. Ça dépend des tissus, mais j'ai fait des mix. Alors, je voulais savoir, Imana, ici, aujourd'hui, si un jeune créateur, un jeune africain vient vous voir en disant « je me lance dans la mode », quel est le conseil que vous lui apporterez? Il faut faire des formations, parce que souvent il y a l'amalgame. Je comprends en Afrique, comme il y a des tailleurs dans les quartiers, parfois ces tailleurs-là, ils prennent deux ou trois jeunes filles ou deux ou trois garçons pour les apprendre à coudre. Et parfois, quand on voit comment ça se passe, c'est souvent dans des situations un peu compliquées. Mais bon, je respecte parce que c'est manque de moyens aussi. Mais à partir du moment qu'on a un peu de moyens, il faut faire des formations telles que comme il se doit, je veux dire. Et moi, je ne suis pas formé à former les gens. Bien sûr, je peux former les gens, mais je ne suis pas un professeur. C'est mieux que les gens aillent dans les écoles de mode. C'est mille fois mieux. En plus, ici, ce qu'il voulait dire au départ, cet amalgame. On a tendance à croire que les designers vont former les gens. Est-ce que ça leur rend former les gens au Chanel? Au Lanvin? Ouais. Donc, c'est des bons exemples. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête à tout mélanger. Une maison de couture n'est pas là pour former les gens. Peut-être qu'il va prendre 2 ou 3 personnes en stage, mais la maison de couture est là pour proposer, pour travailler, créer des images, des silhouettes, tout ça, ces collections qu'ils vendent dans le monde entier. Ils ne sont pas là pour former les gens. Si les gens veulent se former, ils vont dans les écoles, il y a les écoles pour ça. Mais je comprends le cas d'Afrique, il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut vraiment, mais bon. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir, votre marque est de renommée mondiale. Tous les Africains connaissent Imana ici. Mm-hmm. Si on veut s'offrir une belle robe Imana ici, mm-hmm. est-ce qu'on peut s'attendre à avoir prochainement une boutique Imana ici auprès de vos pairs? Alors, je reste distrait avec tout ça. Parce que déjà, ce que j'ai fait, c'est mes collections, c'est beaucoup de travail. Les pièces que j'ai faites, c'est beaucoup de travail, tout ça. Et non plus, je ne veux pas que mes robes se retrouvent n'importe comment. Je ne fais pas de la mode grand public. J'ai fait une mode, c'est les connaisseurs, c'est des gens qui connaissent. Je me place toujours un peu comme Azedine Alaya. Pour avoir une robe d'Azedine Alaya, il faut bien se lever. Il faut se lever tôt. Donc, et les gens qui veulent vraiment avoir mes robes ou une de mes vestes ou une de mes jupes ou peu importe, il suffit de chercher, ils vont me trouver. Oui, mais ouais. Ça ne nous amène pas vraiment dans tout ce qu'on a évoqué au départ en disant de consommer la mode dans plus de monde, quoi. Que plus de femmes mettent des robes, je comprends que c'est un prestige. Celles qui ont le moyen de ce prestige-là, ils n'ont peut-être pas suffisamment de temps qui voudraient l'avoir, hein, mais qui n'ont pas le temps de trouver les vecteurs sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elles méritent un endroit J'ai déjà mon endroit ici à Paris. À Yaoundé, j'ai un showroom qui me représente à Yaoundé. Et aussi, je pense que quand les gens veulent vraiment, puisque les mêmes dames là, en Afrique, quand elles arrivent ici, vont bien chez Chanel, chez Lanvin, chez Consort, je ne fais pas la publicité gratuite, je suis désolé. Mais bon, pour citer les grandes marques.
Mais bon, s'ils veulent vraiment rencontrer certains designers africains, il suffit de chercher. Puisqu'ils ont le temps d'aller chez Chanel ou chez Lanvin. Il sait de quoi je parle, parce que c'est... et aussi, c'est un appel que j'ai fait par rapport à mes frères designers. Il faut leur consommer. Parce que si on ne les consomme pas, ils ne vont jamais être grands, ils ne vont pas grandir. Donc, il faut consommer ce que font les designers africains. À partir de là, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et il y a un truc qui va se passer, puis la machine va se mettre en route, mais si on ne les consomme pas, ça ne peut pas marcher. Et donc les gens doivent consommer, les designers africains. Même si on achète d'autres marques, les grandes marques comme les Africains les aiment bien, mais n'oublions pas que les designers africains ont du talent. Mais il y a un trou noir qui nous gêne, c'est quoi? Parce qu'on ne les consomme pas. On ne les achète pas. Alors, je voulais vous poser une question qui n'a rien à voir avec la mode, c'est mm-hmm. de l'Afrique aujourd'hui. Mm-hmm. Quelles sont les forces vives que vous pensez que l'Afrique doit faire, dont l'Afrique doit faire appel pour se mettre en avant, mm-hmm. pour récupérer une place importante dans la mondialisation aujourd'hui, parce que il faut bien qu'on prenne le pas, qu'on prenne, comme vous étiez en train de dire, j'ai regardé vos interviews et je me suis rendu compte que vous êtes un militant de l'Afrique. Quels sont les conseils que vous donnez à l'Afrique aujourd'hui? Moi je crois qu'on a un grand défaut, nous les Africains, parce que on a ce truc, je ne sais pas d'où ça nous vient, à peine on sème le maïs, on veut le manger. Et ça c'est pas bon, ça n'existe pas. Quand on sème, il faut tout un temps que le maïs doit grandir et ça doit mûrir après le cueillir. Parce que si aussi on sème et qu'à peine on sème, on veut le manger, c'est tout est faux. Donc souvent, nous les Africains, on ne prend pas le temps. On croit qu'à peine, on commence, on veut être célèbre et connu et tout le truc qui va avec. Ben non, il y a certaines célébrités, quand on vous dit... par où ils sont passés, combien de temps que ça a pris avant que cette personne devienne, soit dans la lumière, je veux dire. Parfois c'est énormément de temps, mais bon, on voit qu'à partir du moment que ça brille, mais on ne voit pas tout ce temps. C'est le travail qui a été fait. Exactement. Alors. Donc souvent, nous les Africains, on est un peu comme ça. Moi, je crois que les gens doivent s'asseoir et se jeter à l'eau. Faut avoir le courage de se jeter à l'eau, prendre le temps. Par exemple, moi, j'ai toujours travaillé. Quand j'ai fait les choses, je ne fais pas juste pour de l'argent ou je gagne tout de suite ou quoi que ce soit. J'ai fait parce que je me dis, c'est mon devoir. Si je disparais, si je meurs d'un mot après d'un mot, moi, ceux qui vont venir après, j'aurais servi à quelque chose. J'espère. C'est un héritage. J'espère. Et je crois que c'est... On doit voir les choses comme ça. Aussi, ça nous amène à respecter aussi beaucoup de choses, notre histoire, c'est les gens qui ont été avant. Et ceux qui vont arriver aussi vont nous respecter. C'est pour ça qu'il faut dire les choses. On va voir aujourd'hui, la plupart des designers, si on les demande à partir des années 70, et qui étaient les designers en Afrique, la plupart ne savent même pas. Je veux dire, on pose même la question à 5 ou 6, qui était Chris Seydoux? La plupart ne savent même pas qui est Chris Seydoux. Alors que Chris Seydoux, c'est un grand designer qui était d'origine malienne, qui a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup fait pour le Bogolan. On connaît le Bogolan par rapport à Chris Seydoux. Et de nos jours, c'est pour ça qu'il faut, il faut écrire, comme on parlait de l'écriture, le journalisme aussi pour traiter de la mode. Tout ça c'est très important parce que ça fait de l'information et de l'histoire pour le métier. Donc, parce que s'il n'y a rien, on ne sait même pas qui ont été avant, les qui sont là actuellement. Ils sont en train d'arriver. Ici, en France, quand on crée des collections, si on cherche quoi que ce soit, il y a un musée de la mode, il y a des tonnes et des tonnes de livres. Donc, on ne peut pas se perdre hein, si on veut vraiment faire des choses. Et les choses sont mentionnées. Et je crois que... Et là, je rebondis sur nous, les Africains. Il ne faut pas qu'on copie nos maîtres en mal.
Parce que nos maîtres, quand je dis nos maîtres de l'époque coloniale. Parce que quand on les copie, on fait toujours la mauvaise copie. Il faut qu'on arrive à les copier en bien. Et ça, je m'adresse à tous les Africains. Que vous n'avez jamais dite à la télé ou dans les journaux, dans une interview, est-ce que vous me donnez une information inédite sur vous? Ça serait un peu compliqué. Déjà qu'on me trouve un peu mystérieux, souvent. Ouais, je pourrais dire, pourquoi je m'habille toujours en noir? Ah, bonne question. Ouais. Et c'est la question que je pose à tous les gens qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas qui vont me découvrir. La personne qui va trouver la bonne réponse aura un très bon cadeau. Vous nous envoyez une question pour tous les téléspectateurs pour qu'ils nous disent pourquoi vous vous habillez toujours en noir. Alors, Imane, je pose la question. Vous pouvez toujours venir répondre, nous envoyer des vidéos ou envoyer des messages pour nous donner vos réponses et on vous donnera qui est le gagnant. Merci Imane, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, même heure, même chaîne, pour une autre rencontre artistique. Merci, au revoir. Merci. Utoane loko, ane to ane kanga, si be utoane loko, ane to ane kanga.